Bonjour et bienvenue dans le WinLab Innovation Live, deuxième épisode. Merci d'être avec nous. Vous le savez, le WinLab Innovation Live, c'est une série de webconférences pour vous apporter un éclairage sur les nouveaux enjeux et les nouveaux usages de la construction. Alors le WIL est une série imaginée par le 3CA BTP, acteur majeur de la formation professionnelle dans le BTP et son incubateur WinLab. Et donc chaque mois, nous apportons un éclairage sur des thématiques particulières, des thématiques prospectives du secteur de la construction avec des invités experts. Oui, et vous le savez, vous pouvez interagir avec nous tout au long de l'émission. Alors n'hésitez pas, hein, tout à l'heure, c'est vous qui poserez vos questions à nos invités sur la thématique du jour dans la partie Open Questions, car les webconférences WinLab se découpent en 5 temps forts. La première partie, la présentation du jour, c'est le pitch time qui viendra juste après. Puis on se lancera dans la partie débat avec Y'a débat. Suivront les questions qui fâchent en troisième partie, puis les open questions que je vous annonçais. Et enfin, le temps de la conclusion avec le Money Time WinLab. Et aujourd'hui, pour la deuxième édition, nous sommes sur la thématique économie circulaire, rien à faire, tout à voir, donc avec une approche digitale de la construction et de la transition écologique. Allez, le WinLab Innovation Live numéro 2, c'est parti, on commence tout de suite avec le pitch time. Le pitch time, vous l'avez compris, vous êtes habitué maintenant, c'est le moment où l'on se présente, où l'on présente d'abord le thème du jour. Franck, pourquoi avoir choisi ce thème, économie circulaire et BTP, rien à voir, tout à faire. Alors, c'est dans la continuité de notre premier WinLive, où il était nécessaire de penser le bâtiment dans sa complexité, dans toute sa complexité et tout son cycle d'exploitation. Et donc là, nous sommes aujourd'hui face à un nouvel enjeu, l'économie circulaire, la transition écologique. Et donc, nous avons là un autre sujet, une autre approche de la construction. Le secteur du BTP est sous pression. Alors, trois chiffres pour illustrer cela, si l'on parle déchets d'abord. Alors, si l'on parle des déchets, eh bien, selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le bâtiment produit 70% des déchets de la France métropolitaine, soit à peu près 6 fois la totalité des déchets ménagers aujourd'hui. 230 millions de tonnes annuelles. Et concernant les rejets de CO2 ? Alors, concernant les rejets de CO2, là encore, le bâtiment est parmi les plus gros pourvoyeurs, émetteurs. Ouais. Émetteurs de CO2, donc avec près de 33% des émissions nationales. Rendez-vous compte, c'est juste les émissions des Pays-Bas pour une année. Et enfin, sur le plan des ressources naturelles utilisées. Eh bien là, le BTP est le plus gros consommateur, sans conteste, avec aujourd'hui 28 milliards de tonnes de sable et de granulats consommés chaque année, avec un véritable risque de pénurie à long terme et de dégradation de l'environnement. 28 milliards de tonnes de sable de granulats, c'est l'équivalent de 8 dunes du Pila, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, on l'a compris, ces enjeux imposent un changement de paradigme, un basculement d'une économie linéaire jusqu'ici vers une économie circulaire. Alors, cela présente à la fois des risques et des opportunités. Franck, tout d'abord, on va se pencher sur les deux, trois risques identifiés majeurs. Alors oui. Alors le premier auquel on pense aujourd'hui, enfin je dirais nous au niveau formation, eh bien c'est l'inadéquation, le décalage entre les formations et puis les besoins en entreprise, qu'ils soient actuels ou à venir, en fonction des évolutions des usages. Et puis il y a aussi le manque d'expérience, de connaissances, eh bien des pratiques, des nouveaux outils, des nouvelles méthodes à mettre en place. Et puis ensuite, eh bien l'incompréhension de la part des acteurs actuels, donc de ceux qui ont toujours fait comme ça et de ceux qui n'ont pas encore l'habitude de mettre en place ces nouvelles démarches, notamment au niveau de l'économie circulaire. Mais s'engager vers l'économie circulaire, c'est aussi faire face à de nombreuses opportunités, n'est-ce pas ? Oui, parce que en fait, l'économie circulaire n'est pas délocalisable. Elle fait partie de ces rares économies qui ne peuvent pas se délocaliser. Donc là, on est à la fois sur une meilleure exploitation du territoire, une meilleure exploitation des ressources avec des circuits courts, et puis aussi on travaille au niveau de l'emploi et de l'engagement social. Et puis ensuite, il y a le fait d'acquérir un avantage concurrentiel stratégique. En s'engageant dès aujourd'hui. En s'engageant dès aujourd'hui dans les nouvelles réglementations et les nouvelles réglementations mises en place par le gouvernement, notamment dans le plan de relance et du contrat stratégique de filière. Et puis, en dernier lieu, c'est de faire évoluer les emplois d'aujourd'hui pour être sûr d'être en phase avec les engagements de 2030. Oui, transformer les emplois dits classiques en emplois vertueux, exemplaires. Exactement.
Parce que demain, il y aura également de nouveaux emplois qui nécessiteront, bien sûr, de nouveaux métiers. Nouveaux métiers et nouvelles compétences, surtout. Donc, quand on parle de nouveaux métiers, il n'y a pas de révolution à part entière. En revanche, il y a vraiment une évolution, une révolution des compétences. Et on parle notamment des compétences transverses. Il faut apprendre à décloisonner. L'économie circulaire, c'est aussi ça. On le verra tout à l'heure avec nos invités. Donc, l'économie circulaire, c'est apprendre à travailler différemment, avoir une approche holistique du bâtiment, et ce, de la conception jusqu'à la déconstruction ou de la construction jusqu'à l'exploitation. Donc, on a bien une approche complète et circulaire de la construction aujourd'hui. D'autant qu'aujourd'hui, un large spectre de métiers est déjà concerné. Oui, alors un large spectre de métiers, donc ça passe aussi bien de ceux qui sont dans les bureaux d'études, donc qui sont sur des fonctions plus d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'encadrement, comme ceux qui sont sur le chantier et qui produisent aujourd'hui directement, que ce soit de la maison individuelle ou que ce soit de l'habitat collectif ou des bâtiments de bureaux. Donc on a bien cette approche complète et l'ensemble, tous acteurs de l'économie circulaire. Et puis pour demain, eh bien, ces métiers classiques vont évoluer également avec pour certains une part un peu plus, je l'évoquais tout à l'heure, sur une maîtrise de l'environnement un peu plus large ou aussi une approche plus réglementaire de la construction. Un chiffre pour illustrer tout ça? Oui, 300 000 nouveaux emplois liés à l'économie circulaire créés d'ici à 2030. Ça, ce sont des chiffres de la FREC, la feuille de route de l'économie circulaire dressée par le ministère de l'Environnement en 2017. Alors, nos invités, via leur expertise et leur parcours et leur actualité, vont nous apporter leur éclairage sur le thème du jour, le pitch time. Vous le savez, c'est aussi le moment où ils se présentent en quelques secondes et on va demander tout de suite à Stéphane Le Guiriec de nous dire qui il est, ce qu'il fait. Merci et bonjour. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir déjà pour parler effectivement de ce très beau projet de l'économie circulaire. Donc Stéphane Le Guiriec, vous l'avez dit, je suis directeur général d'Agir. Il faut faire court, donc mon parcours, je le résumerai de manière assez simple en disant que j'ai eu à cœur d'accompagner à la fois les entreprises, les organisations et les filières industrielles à réaliser leurs objectifs. Et aujourd'hui, mon actualité, c'est d'accélérer le développement de l'économie circulaire à son plus large niveau dans la construction. Alors, il est important de souligner que sur les prochains WinLab Innovation Live, vous serez avec nous pour aller plus loin sur ces thématiques liées aux nouveaux usages et aux nouveaux enjeux des métiers de la construction. À votre tour, Fabio Mastroianni, on vous laisse vous présenter. Bah écoutez, bonjour, merci de l'invitation, je suis ravi d'être là. Fabio Mastroianni, je suis le directeur des filiales du groupe Procivis Eure-et-Loir, et également du pôle de promotion immobilière, ce qu'on peut appeler la construction horizontale ou verticale. C'est un sujet, l'économie circulaire, qui pour moi, depuis 2017, a été un enjeu lorsque j'ai rejoint le réseau Procivis, qui est un réseau national et qui couvre avec un ADN de l'immobilier, je dirais, et puis aussi sur les aspects de solidarité. J'ai un parcours plutôt opérationnel, préalable, maîtrise d'œuvre, ordonnancement, pilotage, coordination, assistance à la maîtrise d'ouvrage, de formation économiste, et j'ai fait le choix d'être et de devenir un maître d'ouvrage engagé pour le réseau et en particulier sur l'Eure-et-Loir, là où je vis. Donc avec une vision complète sur l'activité qui nous permet d'être ensemble aujourd'hui sur le BTP. Franck, nos invités ne sont pas là par hasard, hein, je viens de le dire, pour parler d'économie circulaire et de BTP, on avait besoin d'eux aujourd'hui. Mais oui, parce que il regroupe les deux pans que l'on a évoqués en tout début. C'est un ancrage territorial fort, on vient de le voir avec Fabio, et puis surtout avoir une approche innovante et holistique de l'environnement avec bien évidemment Stéphane qui nous présentera tout à l'heure Agir plus longuement. Et puis la nécessité d'associer les deux, à savoir les nouveaux enjeux, l'économie circulaire et l'évolution des compétences nécessaires et obligatoires. Alors là aussi, vous avez deux, trois chiffres forts à nous transmettre. Oui, alors quand on parle d'évolution nécessaire, quand on parle d'engagement, eh bien on ne peut pas s'empêcher de penser aux jeunes qui, nous le voyons dans le cadre de nos baromètres, eh bien sont près de 8 sur 10, 8 jeunes sur 10 veulent être acteurs engagés de la transformation des entreprises, veulent être des acteurs engagés de la construction de demain.
Et parallèlement à ça, nous avons ces chefs d'entreprise qui forment quotidiennement des apprentis, des professionnels de demain. Ils sont près de 6 sur 10 à avouer que l'organisme de formation joue un rôle clé dans le développement territorial et dans le développement des compétences. Et l'attractivité des formations doit être évidemment en phase avec les attentes de cette jeunesse. Oui, et donc là, nous avons eu avec grande surprise cette année, donc avec et satisfaction, et nous avons eu près de 20% d'augmentation des jeunes apprentis qui se sont engagés dans des formations courtes ou longues qui ont un lien direct avec la transition énergétique. Stéphane, vous l'avez dit lors de la présentation, vous œuvrez au sein d'Agir. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus votre structure ? Mais avec plaisir. Donc Agir est le référent national économie circulaire au sein du comité stratégique de filière industrie pour la construction. Agir se positionne comme un do-tank. C'est quoi un do-tank ? On a imaginé effectivement cette dénomination par complémentarité avec les think tanks. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'idées aujourd'hui qui existent. Il y a beaucoup d'outils qui existent en matière d'économie circulaire. Et à un moment donné, il faut mettre ça en œuvre. Il faut effectivement diffuser un maximum de savoir dans des actions concrètes. Et c'est donc Agir qui déploie ces activités. Alors, le nom Agir avec un Y, ça vient de la contraction du verbe Agir avec un I. J'allais vous poser la question, justement, de l'origine du nom. Et avec gyroscope. Le gyroscope, effectivement, qui illustre la circularité. Et aujourd'hui, on souhaite agir pour accélérer ce mouvement circulaire dans la construction. Ça nous paraît indispensable. Donc, Agir, c'est une jeune pousse, presque une start-up, pour ainsi dire, créée il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, on compte 8 collaborateurs. Par contre, on souhaite développer l'offre d'Agir en appliquant finalement ce qu'on propose à l'ensemble des clients ou des organismes qu'on accompagne, c'est-à-dire également la sobriété dans les ressources qu'on va mobiliser chez Agir. Donc, on s'appuie sur un réseau partenarial extrêmement fort, qui est aujourd'hui expert sur ces domaines de compétences, et avec l'équipe d'experts d'Agir, plus ce réseau partenarial, on a toutes les cartes en main pour pouvoir déployer une économie circulaire efficiente sur le territoire national. Et votre activité est répartie autour de trois grands domaines, c'est ça ? Oui, alors on a coutume d'illustrer nos différentes activités en disant que nous agissons avec la foi, si on peut dire. Donc trois initiales, la formation. Donc bien évidemment, aux côtés de 3CA BTP, on a un certain nombre de projets structurants en cours. Et c'est un axe fondamental pour le déploiement de l'économie circulaire et donc plus largement pour la consolidation d'un monde de la construction qui soit durable et pérenne. On a le haut qui représente les opérations parce que pour former un certain nombre d'acteurs, il faut bien évidemment savoir de quoi on parle. Donc on fait par exemple de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on est sur le terrain, au plus proche des acteurs. Et ensuite, sur les sujets, Franck le disait tout à l'heure, les sujets de l'économie circulaire, c'est aussi beaucoup d'innovation. Donc le I a toute sa place dans ce programme, qui est un programme qui demande parfois effectivement d'avoir la foi. Vous le disiez, Agir, c'est un an d'existence. Pourquoi avoir lancé Agir ? Alors, on a lancé Agir pour une raison assez simple, c'est qu'on avait fait le constat qu'il y avait beaucoup d'outils qui existaient dans le domaine de l'économie circulaire, mais finalement, il y avait encore assez peu d'actions concrètes lancées sur le territoire. Donc, pour nous, avec le rappel extrêmement fréquent qu'on peut avoir au niveau environnemental, des impacts de plus en plus forts, une fréquence de ces alertes climatiques de plus en plus importante, il nous a semblé déterminant d'avoir un outil qui soit à même de mobiliser les énergies, si je puis dire, et puis d'être le pendant de tout un corpus aujourd'hui qui existe et qui réfléchit sur ces sujets pour pouvoir les mettre en œuvre à toute échelle, que ce soit de la petite échelle à l'échelle moyenne ou à du gros projet, il faut embarquer l'ensemble des acteurs et donc il faut un référent, quelqu'un qui soit capable de mobiliser. Très bien, écoutez, on reviendra de toute façon en détail sur votre activité tout au long de la
Deuxième partie notamment de ce WinLab Innovation Live qui commence tout de suite avec Yadeba. Avant de se lancer à court perdu dans nos échanges, on vous rappelle que vous pouvez réagir en ligne. Vous le savez, posez vos questions. Nos invités répondront à ces questions tout à l'heure dans la quatrième partie. Open question, vous y êtes habitués aujourd'hui, on compte sur vous. Dans Yadeba, justement, on se pose la question, vous l'avez compris, dans le BTP, si l'on parle d'économie circulaire, est-ce qu'il n'y a rien à voir ou tout à faire, hein? Autant le dire tout de suite, hein. Économie circulaire, c'est un terme, une expression qui paraît être souvent une lubie d'intellectuel. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement l'économie circulaire? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Stéphane? Oui. D'autant plus facilement que l'économie circulaire est quelque chose d'assez simple, qui s'est construit par opposition finalement à l'économie linéaire qui avait vocation à prendre la matière, fabriquer, consommer ce qui était issu de la fabrication et ensuite jeter. On comprend bien aujourd'hui que c'est un modèle qui ne peut plus perdurer. Et donc au niveau des années 70, il y a eu un certain nombre de nouveaux concepts qui ont émergé pour changer les façons de faire et notamment avoir une approche de circularité qu'on comprend bien par opposition à la linéarité. Il faut faire durer le plus longtemps possible l'ensemble des matières qu'on vient emprunter à la nature notamment. On va avoir un schéma justement pour illustrer ce que vous dites, le schéma de l'ADEME dont nous parlions tout à l'heure. Oui, alors on a vraiment, nous, à cœur d'essayer d'avoir une représentation de tous ces concepts qui soit le plus simple possible. Agir, je le rappelle, on est dans l'action, on est au plus proche des acteurs, donc on souhaite avoir des outils qui permettent de se faire une idée très rapidement de ce que sont tous ces concepts. Et pour cela, on trouve que l'approche de l'ADEME est extrêmement pertinente autour, effectivement, de ces 7 piliers regroupés en 3 domaines. Donc, les 7 piliers que sont l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On a ensuite tout ce qui concerne les usagers. Donc c'est parce le que deuxième la première partie, c'est le domaine des acteurs économiques. La deuxième partie concerne les usagers, c'est ça? Tout à fait. Le premier domaine, c'est le domaine de l'offre des acteurs économiques. Le second domaine concerne la demande. La demande. Et dans une certaine mesure, le comportement des usagers. Et finalement, le troisième domaine, qui est aujourd'hui le domaine le plus représenté et de manière extrêmement large, pour des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure par Franck, c'est le domaine de la gestion des déchets et les sujets plus couramment connus aujourd'hui que sont le réemploi, le recyclage et le traitement des matières en fin de vie. L'idée, c'est aussi d'économiser les ressources à venir. Franck, jusqu'ici, on était justement sur un modèle linéaire, c'est ça? Oui, alors c'est vrai qu'on était sur un modèle linéaire, donc jusqu'à présent, c'était, on va dire, fabriquer, consommer, jeter. Aujourd'hui, lorsque l'on entend Stéphane, on a envie de se jeter dans cette économie circulaire, dans cette approche holistique. Alors, la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est Fabio, comment passe-t-on de la théorie à la pratique? C'est un vrai sujet. Et je pense qu'effectivement, lorsque je me suis lancé dans le sujet, je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation en 2016, fin 2016, début 2017, je pourrais dire que c'était un pari au départ. Mais c'est devenu véritablement pour nous, en tout cas, une véritable compétence que l'on a dans l'entreprise et aussi une ADN partagée aussi dans l'entreprise par l'ensemble des collaborateurs. Et c'est vrai aussi que cette expérience m'a montré à quel point, au départ, il y a eu et il y a encore énormément de freins pour lesquels on se doit d'être à l'initiative de l'ensemble des leviers pour les lever. Quels sont ces freins, justement? Les freins, finalement, sont assez simples, en fait. Les freins sont vraiment assez simples. Généralement, c'est de la peur, de la crainte. Je peux dire aussi parfois de ne pas vouloir s'engager. Et donc, c'est là à nous de convaincre aussi d'aller vers ces sujets,
qui sont pour nous extrêmement importants. Je parle de mon métier, hein, de mon métier en particulier de promoteur, de constructeur de maisons individuelles, d'aménageur foncier et même sur les services immobiliers, puisqu'on vient trouver évidemment des transversalités entre nos métiers. Et pour nous, en tout cas dans l'histoire que j'en fais, ça a été beaucoup de freins, vite des leviers, des acteurs qui se sont engagés avec nous très rapidement, ensemble, on réunit, on donne le cap et on agit. Et ça fonctionne réellement sur des opérations réelles qui aujourd'hui ont été des expériences, deux expériences chez nous, hein, une expérience de 12 logements, la résidence Le 11, puis une deuxième expérience, la résidence Olympique que nous vivons en ce moment même. Avec peut-être le principe de la recommandation, c'est que finalement, c'est l'essaimage, ça marche bien, donc on en parle à ses pairs, et donc du coup, ça se répand plus vite. Oui, tout à fait, je pense qu'il y a les notions de démonstration, c'est l'objet de ce que l'on a fait depuis 2017, de démonstrateurs. C'est de vouloir s'engager vers une démonstration pour la rendre naturelle et donc de la répliquer, de la recommencer, de se rendre, nous, utile pour progresser tous ensemble encore une fois, quels que soient les acteurs. On est sur une multitude d'acteurs lorsqu'on construit, c'est énormément d'acteurs à réunir. Et ensuite, de le rendre naturel dans nos activités, c'est ce que l'on fait, c'est ce qu'on continuera à faire. Les leviers dont vous parliez. Les leviers que vous avez réussi justement à actionner. Oui, très concrètement sur les opérations. La première opération, ça a été de l'intégration de granulats de béton recyclé, par exemple. Donc, considérons ensemble que la ville, ça peut être la carrière de demain. Et donc, les bâtiments qui sont démolis, non loin de l'opération, de prendre ces gravats, de les emmener pas très loin de l'opération. Je vais faire très simple, de les démolir. On parle de déconstruction, oui, puisqu'on cible. On prend ces gravats, on les nettoie très rapidement, et puis ensuite on les réinjecte sur l'opération par les entreprises locales. On a, et c'est aussi notre rôle, la protection des TPE-PME. L'économie circulaire est un sujet de protection d'emplois territorial, et ça pour nous c'est extrêmement important. On est extrêmement engagé avec les entreprises et les acteurs locaux. Et à travers les granulats de béton recyclé, à travers, on l'a parlé, de la fonctionnalité des logements, on a mis ces leviers en place pour les rendre perceptibles à chacun. Et je devrais dire qu'aujourd'hui, le bâtiment vit sa vie. Il a été livré l'année dernière, en juin. Il n'est pas fissuré, il fonctionne très bien. Et chacun des acteurs qui étaient avec nous se sont emparés de cela et aujourd'hui veulent recommencer de leur côté. Eh oui. Donc tout au long du cycle de vie du bâtiment, en somme, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, de la conception jusqu'à l'exploitation. Oui, tout à fait. On a imaginé le premier projet qui a été la résidence Le 11 avec le bon matériau au bon endroit, dans un principe de conception en trois temps, avec l'anticipation de la réglementation environnementale qui arrive début 2022. C'est à nous de s'emparer de ça aussi. Et puis, ça a été de le faire sur la phase de construction de l'ouvrage et puis de l'exploitation de l'ouvrage. Et enfin, pour l'acquéreur, l'exploitant, et aussi pour notre agence immobilière, puisque nous sommes service immobilier, et donc le syndic a un rôle à jouer aussi à travers ces sujets. Merci Fabio. Alors là, je m'oriente vers Stéphane. Donc, il y a quand même des points de vigilance. Et oui, le tableau qui a été dressé à l'instant par Fabio. C'est idéal. Ça paraît idéal. Quand tout fonctionne. Mais il y a quelques points de vigilance à garder en tête. Alors, en premier lieu, il y a le fait qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, on n'a pas nécessairement encore l'organisation suffisante pour pouvoir porter des projets comme ceux qui ont été portés par Procivis 28. Et en particulier l'accès à la ressource. Il a été évoqué les granulats de béton recyclés. Aujourd'hui, les plateformes en capacité d'apporter des granulats de cette qualité sur le territoire national ne sont pas encore parfaitement en place ou pas encore parfaitement identifiées. Il y a ensuite un certain nombre de freins encore sur la qualification d'un certain nombre de produits et la capacité à les remettre en circulation. De manière assez surprenante, on s'aperçoit aujourd'hui que les contraintes, notamment réglementaires et législatives, pour pouvoir réutiliser des produits sont beaucoup plus fortes que pour mettre de nouveaux produits sur le marché. Donc il y a un travail à faire sous cet angle-là. On s'aperçoit également sur le terrain assurantiel qu'il y a des réflexions à mener. Donc point de vigilance, il ne faut pas non plus pêcher, je dirais, en agitant le chiffon rouge en permanence. Et la notion de point de vigilance me paraît effectivement déterminante. Pourquoi ? Parce que ça doit nous amener à travailler avec ces acteurs pour sortir par le haut en réfléchissant et en levant un certain nombre de freins. L'idée, c'est donc de capitaliser avec eux pour pouvoir s'engager
dans ce que chez Agir, on appelle un mouvement transformatif. Tous les éléments que j'ai évoqués à l'instant, il faut les transformer. Il faut aller au plus près des acteurs qui sont en capacité finalement d'agir avec nous pour transformer l'ensemble de l'écosystème, quel qu'il soit, y compris législatif et réglementaire, et s'orienter vers un mouvement systémique. J'ai entendu tout à l'heure Franck utiliser le mot holistique, ils sont assez proches, mais l'idée est bien celle-là. Et tous les points de vigilance que j'ai pu évoquer doivent être, le moment venu, autant de points de levier pour accélérer le développement de l'économie circulaire dans la construction. Alors, changer de travail, ça implique, on le sait souvent, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Fabio, la crainte de nouveaux coûts liés à de nouvelles normes aussi, mais aussi la crainte de nouveaux process qui augmenteraient la durée de réalisation. Alors, est-ce que ce n'est pas l'économie circulaire, on va tous dire aujourd'hui, hein, est-ce que ce n'est pas synonyme aussi de baisse de productivité? Oui, alors on peut le voir comme ça. On peut se dire, je m'engage vers l'économie circulaire. Donc c'est un oui qui veut dire non. Exactement, exactement, parce que je pense que c'est aussi un des freins auxquels j'ai été confronté au départ. On a parlé des freins, moi je vais le dire au départ. Le coût a été pour nous quelque chose de fondamental, dès le départ, une règle du jeu. Pourquoi ? En fait, c'est très simple. Si on veut s'engager dans une notion d'économie circulaire à travers nos métiers, il faut que ça le soit aussi raisonnable, donc à des coûts maîtrisés. 60% de notre métier résonne sur le coût de construction. Et donc, par conséquent, pour nous, c'est un sujet important. Et le coût, se dire qu'effectivement, on peut baisser en productivité, au contraire. En s'engageant vers des notions d'économie circulaire, on l'a vu, l'expérience qui a été faite, c'est que ça nous amène à une montée en compétences et même une montée en compétitivité. En revanche, il faut être extrêmement vigilant, effectivement, sur ce que l'on veut en faire, sur le projet que l'on porte. Alors, aujourd'hui, l'opération que nous avons faite, c'est à Isoku. Ça réunit les acteurs. Donc c'est important de le souligner. Bien sûr, les techniques ont été des techniques courantes, les méthodes ont été des méthodes courantes, les acteurs se sont engagés. La manière dont on a construit cette première opération de la résidence Le 11 a été la même que l'on a fait précédemment, mais simplement avec juste des nouvelles réflexions qui sont celles, encore une fois je le dis, de l'économie circulaire, et simplement de se poser les bonnes questions. Et d'enlever le sujet du coût, pour autant, il faut absolument être vigilant, et c'est à nous, maîtres d'ouvrage, de s'engager pour ça. Alors Stéphane, vous qui êtes artisan et acteur d'une transition réaliste avec Agir, qu'en est-il ? Mais il en est réaliste, justement. On souhaite être réaliste et pragmatique. Et on a une approche, toujours de la même façon, qu'on essaye d'être la plus simple possible pour pouvoir fédérer les acteurs autour de cette démarche et qui est représentée également, bon, sous forme circulaire. Oui. D'ailleurs, on va voir un schéma qui illustre. Très bien. Et voilà, donc, on commence. Votre façon de fonctionner. La première action qu'on mène, c'est de démontrer. Fabio a pu l'indiquer tout à l'heure. Il y a effectivement une nécessité d'embarquer les acteurs dans un mouvement transformatif. Mmh. Et pour ça, il faut démontrer que les choses sont faisables. Concrètement. Que les choses sont faisables à Isoku. Ouais. Et ça, c'est fondamental dans le monde de la construction et du BTP. Donc là, on est loin des lubies d'intellectuels. On est très loin des lubies d'intellectuels. Mais on y vient quand même un petit peu parce que le deuxième mouvement, c'est la communication. Bon, ce n'est pas forcément quelque chose de très intellectuel non plus. Mais c'est quelque chose qui est fondamental pour accélérer le développement. La communication permet de faire savoir que ces choses-là sont possibles. Et il y a en plus, pour tous les acteurs avec qui on travaille, une vraie création de valeur immatérielle avec cette communication. Et ça, c'est déterminant pour eux aussi et pour qu'ils se réengagent. Parce qu'on a dans notre volonté d'accélération du mouvement, le facteur un petit peu central, c'est la réplication. Faire des démonstrateurs sans alternative suivante, c'est voué finalement à un certain échec à terme. Il faut que les acteurs qui ont travaillé sur un démonstrateur aient envie d'y retourner, et donc ça passe par la réplication. Donc on travaille beaucoup sur cet axe-là, on réplique. Une fois qu'on a répliqué, bien évidemment, tout ce que souhaite un acteur impliqué dans ces sujets-là, et on a évoqué la question de la rentabilité, de la productivité, c'est de progresser. Donc on les accompagne en essayant effectivement d'analyser l'ensemble des facteurs clés de succès et d'amélioration de tout ce qui est important pour eux et pour l'économie circulaire
sur le terrain. Et in fine, pour boucler la boucle, parce qu'on est dans l'économie circulaire, il faut que le cercle soit complet, on recommence. Et c'est important de rappeler que sur l'aspect de la communication, il y a eu une étude, un sondage que vous citiez. Je crois que c'est 32%, c'est ça, des entreprises françaises qui disent connaître le terme économie, c'est ça ? Oui. Sur un échantillon de 800, qui connaissent le terme économie circulaire dedans, mais qui, pour autant, ne savent pas concrètement à quoi ça correspond. Hein. Tout à fait, Stéphane. C'est très intéressant parce que ça montre également le chemin qui reste à parcourir. Ce n'est pas une évidence. Même si on connaît le nom, il faut mettre, ce que vous disiez tout à l'heure, un pas après l'autre et lancer le processus. Fabio, de quoi ont besoin justement les professionnels, selon vous, pour s'emparer de cette nouvelle donne et faire les petits pas dont parle Stéphane ? J'aime beaucoup la notion de petits pas. Ils doivent s'emparer d'une réalité qui est là, qui est celle que nos métiers doivent se transformer. Nous devons à nouveau réfléchir pour s'engager vers une responsabilité qui est la nôtre, la responsabilité sociale en entreprise. Je parle souvent d'un terme que nous avons créé, mais extrêmement important dans un pilier, dans un, je dirais, trois piliers importants, nous, dans nos métiers, l'économie, l'écologie et les relations sociales qui sont celles de nos métiers, et en particulier pour s'emparer de la démarche, on a appelé ça l'économie sociale, on pourrait rajouter aussi solidaire, c'est se réunir pour vouloir faire. Alors s'emparer, c'est aussi s'intéresser, détecter, se structurer et avoir envie de faire. Et ça, c'est important, s'engager pour avoir envie de faire. Et c'est ce qu'on a voulu faire, voilà, nous, en particulier à Chartres. Et tous les acteurs sont concernés, on est d'accord. Vous en parliez tout à l'heure, Franck. Alors oui, donc tous les acteurs sont concernés. En amont, la formation qui est là justement pour préparer demain, pour monter en compétences. Et puis, les organismes de formation sont vraiment les acteurs engagés au niveau territorial, au niveau des artisans, au niveau des entreprises du bâtiment, pour justement faire en sorte de concrétiser et faire en sorte que ce soit vraiment décliné au niveau de l'ensemble du territoire. Parce que la réussite d'une démarche économie circulaire, c'est vraiment la nécessité que tout le monde aille ensemble vers le même objectif. Oui, donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que tout le monde est concerné à toutes les étapes de la chaîne. Donc il y a la maîtrise d'ouvrage en tant que commanditaire, il y a ensuite l'architecte qui conçoit le projet, donc on parle de biomimétisme, de bioclimatisme. Ensuite il y a la maîtrise d'œuvre, donc qui elle va faire, et puis ensuite les entreprises de travaux jusqu'aux industriels qui aujourd'hui vont sortir des produits, des méthodes, des nouvelles pratiques qui vont faire que l'économie circulaire va pouvoir prendre vie sur le terrain. Et c'est le fil conducteur que tout le monde doit suivre. Vous avez un terme pour ça, Stéphane, c'est ça ? Oui. Alors, toujours pour essayer de fixer les idées, il nous semble important effectivement d'avoir soit quelques visuels clés, soit quelques termes clés. Et donc, pour ce fil conducteur, qui est un petit peu la structure qui doit porter l'existant, on utilise le terme de d'éco-squelette. Bon, on aura compris que c'était par analogie avec exosquelette. Et donc, on est tout à fait avec cet éco-squelette sur une structure qui va porter toutes les initiatives nouvelles en intégrant l'existant. Parce qu'il faut avoir conscience également que le succès de tout ce qu'on est en train de mener passe sur des savoirs qui sont aujourd'hui mis en pratique par tout un tas de professionnels extrêmement compétents. Et c'est l'enrichissement des savoir-faire actuels avec les éléments nouveaux qu'on leur propose et sur lesquels on les accompagne, qu'on arrive effectivement à avoir quelque chose qui soit gagnant en capitalisant sur cet éco-squelette. Et pas seulement, je dirais, puisque les pouvoirs publics et européens appuient fortement en faveur du développement de l'économie circulaire. Trois points significatifs rapidement. La taxe générale sur les activités polluantes va être multipliée par 2 pour l'incinération et 2,5 pour l'enfouissement d'ici 2025. Le récent projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique incite à allonger la durée d'usage des constructions ou à adopter une consommation énergétique responsable. Donc ça va forcément impacter très vite les acteurs et certains métiers, hein, on est d'accord. Hein. On est tout à fait d'accord et ça renvoie pour quelque chose qui est central pour nous, tous ici réunis, c'est la question de la responsabilité.
on a une responsabilité majeure pour que ce déploiement de l'économie circulaire dans la construction et dans l'ensemble des métiers du BTP soit un succès. Pour les raisons qu'on a déjà évoquées, et pour celle, Stéphane, que vous venez de souligner à l'instant. Alors justement, en tant qu'expert, Franck, Stéphane, je vous interpelle. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de ces métiers qui vont être impactés? Oui, oui. Ou... Alors, bah, bon, je vais commencer, Stéphane. Donc sur, avec plaisir, Franck. Donc, sur le pilier de la consommation responsable, c'est l'agent d'entretien, l'agent d'entretien durable du bâtiment, donc qui joue un rôle essentiel à entretenir le bâtiment durant toute sa vie. De manière durable, de faire en sorte qu'il s'adapte aux usages. Donc il est chargé d'entretien, de la maintenance. Il est aussi en charge de la collecte des données liées à l'exploitation du bâtiment, suivi technique des équipements, et puis surtout son intervention doit réduire l'empreinte environnementale du bâtiment tout au long de sa vie. Et ça correspond à une formation plutôt courte. Plutôt courte. Sur le plan des formations longues, Stéphane ? Alors on va prendre un exemple, vous utilisiez à l'instant un renvoi sur effectivement les mouvements législatifs. Il y a relativement peu de temps, nous avons eu la loi AGEC et un décret d'application qui vient de sortir et qui est orienté vers des diagnostics. Donc on a un nouveau métier, donc là qui est orienté baccalauréat plus 3 ans, qui est le diagnostiqueur ressources. Et ce diagnostiqueur ressources va devoir faire, à échéance extrêmement courte, des diagnostics produits, matériaux, déchets. Son travail est vraiment central dans toutes les démarches économie circulaire qui vont être menées. Pourquoi ? Parce qu'il faut effectivement, c'est dans les termes de diagnostic, se rendre sur l'ensemble des sites, faire une cartographie de l'ensemble des produits, matériaux qui sont à disposition, et travailler en élaborant une stratégie qui permette de valoriser au mieux l'ensemble des produits et des matériaux pour idéalement orienter des solutions de réemploi, pour faire éventuellement du recyclage et pour capitaliser sur tout autre type de solution qui va permettre d'optimiser effectivement ces diagnostics initiaux. Bon, super, super information, super intéressant, mais malheureusement, on est pris par le temps, on oublie notre troisième volet. On va faire un petit tour de table quand même en quelques secondes. Comment on peut répondre à cette question? Est-ce que dans l'économie circulaire et le BTP, il n'y a rien à voir ou tout à faire? Ce n'est pas votre conclusion, mais dites-nous en deux mots, Fabio. Pour moi, ni l'un ni l'autre. Je pense que on est sur des sujets qui sont extrêmement importants pour lesquels il faut s'engager et en particulier lorsqu'on est maître d'ouvrage. Voilà, moi, en quelques mots. Il faut s'engager. Stéphane, est-ce qu'il n'y a rien à voir? Est-ce qu'il y a tout à faire finalement? C'est entre deux. Il y a déjà effectivement des mouvements engagés, on l'a évoqué. Pour moi, il faut accélérer. Franck, selon vous ? Il faut former. Il faut former, c'est-à-dire qu'il faut un minima de compétences, un minima de connaissances pour arriver à prendre le train en marche et prendre les commandes du train directement. Donc il faut se former et donc c'est ce que l'on fait aujourd'hui dans le cadre des projets avec Agir. Bah écoutez, messieurs, merci pour ces éléments de réponse. On continue le débat. Enfin, on aborde le thème sous une autre forme dans les questions qui fâchent tout de suite. On a compris précédemment que l'économie circulaire allait imprégner chaque pan du processus de la construction. Alors, première question qui fâche, on met les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que l'économie circulaire n'est pas un sujet de bobo ? Stéphane ? Ça, c'est la question. Bien sûr que si. C'est un sujet de bobo, mais pas que. C'est le sujet de tout le monde. Aujourd'hui, si on souhaite effectivement une véritable accélération du déploiement de l'économie circulaire dans la construction, c'est le sujet de tous. Et donc des bobos. Pour moi, aujourd'hui, ce qui me semble fondamental, c'est qu'on se mette en mouvement. Donc on a effectivement sur notre approche une philosophie qui est la philosophie dite des petits pas. Et donc on souhaite bien évidemment accélérer, mais pour accélérer, il faut déjà commencer à marcher et donc faire le premier pas. Et il faut travailler sur les leviers que Fabio évoquait tout à l'heure, c'est ça, hein. Fabio, votre avis, vous, sur la question, c'est un sujet de bobo ? Je ne vais pas dupliquer ce qui a été dit, c'est dupliquer, répliquer. Non, ce n'est pas un sujet de bobo, ça peut l'être aussi, c'est un sujet de tous, c'est un sujet réaliste, c'est un sujet générationnel.
C'est donc un sujet pour chacun. Avec plaisir de compter les bobos parmi nous sur les sujets de l'économie circulaire et dans nos métiers. Mais pour autant, non, c'est absolument pas un sujet de bobos. C'est pas de la bobologie. Voilà, en revanche, effectivement, on peut s'apparenter à ça. Si on a peur, c'est qu'on a sûrement peur et on se dit que ça pourrait être de la bobologie, pour reprendre ce terme. C'est juste un sujet pour lequel il faut absolument s'engager. Voilà. Il y a un terme d'ailleurs que vous aimiez particulièrement, hein, qui est le terme d'économie sociale. Vous pouvez nous l'expliquer? Oui, c'est un terme effectivement qui a été créé en 2017 au travers des expériences économie sociale et solidaire. On peut même rajouter l'économie parce qu'il faut être pragmatique, il faut avoir du bon sens, on fait des métiers économiques, il faut être écologique et c'est en tout cas à nous de s'engager pour cela. Et puis les relations sociales, on ne peut pas faire sans l'autre. Et c'est ça le sujet de l'économie circulaire, c'est les réalités que l'on doit porter. Et je dirais solidaire parce que c'est un sujet solidaire. Et des réalités qu'on peut illustrer d'ailleurs. Je crois qu'on a une illustration, hein, par rapport à un projet que vous avez su mener. Oui, tout à fait. Bah, la première photo que vous voyez, c'est la résidence Le Vons. 12 logements, petite opération à Chartres, non loin du cœur de ville. Petite économie aussi, mais pour autant assez difficile à équilibrer. Petite opération, donc petite économie, et c'est le sujet. Et ensuite, on a recommencé pour progresser, tirer les expériences. Et on est sur la deuxième opération en ce moment même, la résidence Olympique. 36 logements, toujours à Chartres, non loin de la gare, non loin aussi de la cathédrale de Chartres. Et je suis... Vous nous faites rêver là, bien on évidemment. Est en plein, en plein voyage, et sans rêve, surtout en cette période où on ne peut pas bouger. Merci beaucoup voilà. Fabio, c'est très, très agréable. C'est l'actualité. Et pour autant, ce sujet du deuxième démonstrateur, c'est montrer que ce que l'on a fait sur le premier démonstrateur est devenu naturel et qu'on va même nous challenger par celles et ceux à qui on a voulu les imposer au départ, qu'on a levé les freins. Donc on est vraiment dans la démarche dont parlait tout à l'heure Stéphane, de dupliquer par l'exemple. Tout à fait. Finalement, derrière cette première question, est-ce que la question que tout le monde se pose, c'est pas de savoir si l'économie circulaire, finalement, elle s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'elle s'adresse aussi aux petites entreprises? Alors, pour répondre à cette question, je souhaiterais rappeler que l'artisanat est quand même aujourd'hui la première entreprise du BTP en France. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que voilà. C'est donc la question de… Pour 96%. Voilà. C'est le sujet de tous, donc. Merci Franck de rappeler ce chiffre qui est fondamental. Et donc, 96% des entreprises du BTP sont des petites entreprises. Tout à fait. C'est ça. Et donc, on ne peut pas faire sans. Et aujourd'hui, on l'a dit il y a quelques instants, c'est l'affaire de tous. Le maillage des artisans est tel qu'on ira au succès sur les questions de l'économie circulaire avec eux. Donc la question de savoir, la question n'est pas de savoir si l'économie circulaire s'adresse aux petites entreprises, mais finalement… La question est de savoir comment on va les accompagner sur tous ces sujets pour effectivement les embarquer. Deuxième question qui fâche, on enchaîne. En 2021, le secteur BTP est-il au rendez-vous de l'économie circulaire ? Franck, Stéphane, Fabio, je vous laisse. Oui. C'est une question qui fâche. Je dirais que oui, je dirais. Alors moi pour le coup, j'ai encore parlé de la partie formation et en particulier de l'apprentissage. Donc les organismes de formation sont plus que jamais au rendez-vous et donc ils sont des accélérateurs. Juste une chose, c'est que jusqu'à présent, on a eu à tort parfois de parler de transition numérique, de distinguer ça avec l'économie circulaire. Eh bien, c'est tout simplement le numérique au service de l'économie circulaire. Rappelons un chiffre d'une enquête du Crédoc. 32% des jeunes de 18-30 ans prennent le changement climatique comme préoccupation principale. Donc les jeunes aujourd'hui veulent s'engager dans le développement durable, dans l'économie circulaire. 33% de ces jeunes, toujours sur le même sondage, considèrent que la culture écologique d'une entreprise est primordiale dans le choix de l'entreprise qu'ils vont réaliser. Donc il est temps de prendre le cap, il est temps de former, bien sûr, mais aussi de changer d'approche, de changer de culture. D'anticiper aussi les 300 000 emplois qui seront créés selon la FREC, hein, dont on parlait exactement tout à l'heure. Stéphane, pour vous, alors, on est au rendez-vous ou pas? Alors, la volonté est là, c'est indéniable, on le constate quotidiennement sur le terrain. Pour autant, je pense que ce n'est pas une question de rendez-vous. Parce que quand on parle de rendez-vous, on a l'impression qu'on va se revoir à telle ou telle échéance. Aujourd'hui, on en a longuement parlé, ça doit être un sujet auquel on s'attelle de manière continue. Donc, le train est parti. Il se déplace encore à un rythme modeste,
Donc les personnes qui ne sont pas encore montées dans le train peuvent le faire. Donc pas de panique. De dire, bon gré mal gré, le BTP est au rendez-vous. Voilà. D'accord. Il est parti. Fabio, en deux mots, selon vous. Alors, en deux mots, je dirais que c'est marrant, on parlait de petits trains. L'opération d'Olympie s'est faite à l'arrière d'un petit train, l'idée de la faire. Et l'opération d'Olympie est aussi celle du 11 avant et la transition numérique digitale. Les entreprises, oui, sont au rendez-vous. La conduite du changement, c'est maintenant. Le train doit être pris. Il a été pris. On doit accélérer. Le numérique est effectivement au service de l'économie circulaire. C'est un enjeu. Protection des TPE-PME, je dois juste le dire, c'est extrêmement important. C'est ce qui nous permet de faire nos métiers. Et donc, de les embarquer avec nous, c'est de continuer à être productif, rentable et assurer des emplois. Justement, super lien avec la troisième question qui fâche. Merci Fabio. L'économie circulaire dans le BTP, c'est comme le bio dans l'agriculture. Ça coûte plus cher à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, j'ai une approche assez simple encore là-dessus. Je dis non, pas si on décide qu'il en soit autrement. Il suffit d'anticiper, de concevoir, d'imaginer ce que disait Franck tout à l'heure, dès la phase de conception, c'est ça ? Exactement, Stéphane. D'activer tous les acteurs, tous les paramètres ? Exactement. C'est-à-dire qu'avec la maîtrise d'ouvrage, on doit définir quelles sont ces exigences prioritaires. Quels sont les points sur lesquels on ne pourra pas négocier? Le projet doit se conduire selon telles et telles exigences non négociables. Et derrière, on les accompagne en disant ben, ces points-là sont des points fixes, donc on travaille avec et on crée de la valeur autour de ces donc éléments. Donc c'est possible de travailler à Isoku. Fabio, vous le savez. Oui, ben, c'est encore une fois un enjeu pour nous et ça a été vraiment l'enjeu de l'ensemble des opérations de démonstration. Je dirais que le bio, c'est plus sain, tout le monde l'a compris à travers l'alimentation, et c'est pas plus cher, au contraire, et tout le monde s'en saisira. L'isoku, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour plusieurs raisons en tant que maître d'ouvrage. Vous savez, quand vous construisez un bâtiment, vous le construisez pour des acquéreurs. Vous le construisez pour des acquéreurs qui ont besoin de se loger. Aujourd'hui, c'est 20 millions de personnes qui ont besoin de se loger. Il est hors de question qu'on doit infléchir, évidemment, cette baisse de productivité de logement. Simplement, on peut le rendre plus vertueux, plus sain. Chacun doit comprendre. Et chacun qui construit ces opérations vont s'en saisir et les rendre, évidemment, plus... territorial, avec plus de sens. Je crois qu'on a besoin de ça en ce moment. Merci pour ces précisions. On est un tout petit peu en retard. On s'en excuse, mais on a vu passer vos questions et on va les poser tout de suite dans la quatrième partie, Open Question, juste après le jingle. Donc, on a reçu plusieurs questions que vous souhaitez poser à nos intervenants. Hein. La première, elle s'affiche juste là-bas. Comment voyez-vous l'évolution des métiers sur les prochaines années et l'incidence sur la formation? Alors, ça, c'est pour vous, Franck. Hein. Oui, oui. Alors, donc, l'évolution des métiers, bah, on le voyait tout à l'heure, donc, avec ces nouveaux métiers donc, qui vont arriver, donc, comme diagnostiqueur de ressources, comme l'agent de maintenance du bâtiment durable. Donc, ça, ce sont des nouveaux métiers qui peuvent être mis en place dans le cadre de formations courtes. Et puis, ensuite, il y a ces évolutions. Alors, ces évolutions par rapport, alors, je pense notamment à des couvreurs, notamment à tout ce qui est isolation, enveloppe du bâtiment, pardon, où là, on va avoir eh bien, des formations, des certifications qui vont être déployées. Et ces certifications sont bien évidemment un des éléments essentiels pour être en adéquation entre les besoins des entreprises et les formations. Deuxième question, cette fois-ci, c'est une question de Florence. Pensez-vous nécessaire de faire évoluer les référentiels de formation, certification pour appuyer cette démarche globale? Alors, est-ce que vous pensez, il faut faire évoluer? Alors, Franck, Stéphane. Oui, là-dessus, dans la mesure où on accompagne effectivement dans le domaine de la formation, je rappelle la FOI, hein, le F. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut effectivement, au même titre que les savoir-faire actuels sont précieux, ils ont été acquis de longue date, ils ont passé, si je puis dire, l'épreuve de la mise en pratique durant des dizaines et des dizaines d'années. Il faut capitaliser sur l'existant et revisiter
C'est ça. Compte tenu des nouvelles exigences. Imprégner le savoir-faire pour les référentiels, de tous ces nouveaux usages. C'est la même chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis un professionnel du BTP, je voudrais m'engager dans l'économie circulaire. Comment procéder, Stéphane, Fabio? Allez, je me lance. Ouais. Je vais parler très rapidement d'un certain nombre d'entreprises qui me parlent à l'oreille lorsque on les consulte et qui ont envie de s'engager sur ces sujets pour lesquels j'ai aussi souvent parlé avec eux. Je vais parler de l'Eure-et-Loire, en particulier de certaines entreprises. Il faut tout simplement se structurer et se donner les moyens. D'abord de s'entourer, de vouloir savoir ce que l'on veut faire sur chacun des corps d'État. On l'a dit, tout est possible sur l'ensemble des corps d'État. Il suffit simplement de vouloir et de savoir détecter ce que l'on peut faire pour en créer une valeur dans l'entreprise. Créer une valeur dans l'entreprise et aussi potentiellement en faire un levier, on l'a dit, peut-être de croissance. Et ça, c'est de s'entourer, de se structurer de jeunes talents ou peut-être aussi de formation dans l'entreprise et de se détecter sur ses ouvrages, puisqu'il y a quelqu'un qui construit, il peut aussi déconstruire. Dernière question, celle de Mourad. N'y a-t-il pas des surcoûts ou des blocages des contrats d'assurance vis-à-vis de certains réemplois? Alors, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, d'ailleurs, Stéphane, il y a des freins pour réutiliser certains matériaux. Je vais peut-être juste répondre sur la partie maîtrise d'ouvrage de réemploi, en tout cas sur l'opération que nous avons construite. Aucun surcoût. Simplement, on doit être évidemment dans les indicateurs de nos assurances de construction. En termes de normes. En termes de normes, évidemment. Nous, on est parti sur 25% de substitution sur la résidence le 11. Mais évidemment, c'est des choses que l'on doit expliquer. On n'a pas eu de surcoût. Et le bâtiment fonctionne bien. À partir du moment où vous avez un taux de sinistralité qui est inexistant et que ça fonctionne et que c'est normé dans les normes, vous n'aurez pas de surprime. En revanche, si vous voulez au-delà de ça, ce n'est pas un choix que nous ferons aujourd'hui. Il faudra se tourner vers des cadres différents, ce qui n'est pas notre cas, effectivement, avec les assurances. Je vois Stéphane réagir. Oui, moi je pense qu'il faut aussi être dans le dialogue avec son assureur. Bien sûr. C'est-à-dire que ce sont, comme tous les autres sujets, quand on parle effectivement de changement de paradigme, il faut anticiper et dialoguer. Et le dialogue avec l'assureur est quelque chose qui est précieux dans ce type de circonstances, comme dans toutes circonstances, je pense. En tout cas, merci, vous nous avez envoyé beaucoup de questions, mais... Voilà, on est un petit peu en retard et pour respecter donc ce timing, votre emploi du temps, on passe tout de suite au Money Time WinLab. Avant de laisser la parole à Franck Lenuellec pour conclure pour 3CABTP et l'incubateur WinLab en deux mots et 30 secondes, messieurs, c'est le temps de nous donner votre avis sur la thématique du jour. Quel est pour vous le lien réel entre l'économie circulaire et le BTP? Alors, il y a un lien fondamental. Moi, je fais juste le constat que l'horloge écologique tourne. Donc, il faut accélérer le mouvement. Il faut penser autrement. Et il est temps d'agir. Bravo, jeu de mots magnifique, Stéphane. Je ne ferai pas aussi bien, mais je devrais dire que maîtrise d'ouvrage, c'est s'impliquer. C'est de vouloir faire. On a un rôle extrêmement important en termes de responsabilité sur notre métier. Il est temps, ensemble, de remettre ce qu'est les valeurs du BTP, du bâtiment, du métier de l'immobilier. La chaleur, la générosité, c'est aussi ça l'économie circulaire. Alors ensemble, agissons. Très bien. Donc c'est complémentaire. Hein. Vous voyez, vous êtes dénigré. Alors Franck, on va vous laisser conclure en tant qu'acteur majeur du développement de la formation professionnelle. Quelle perspective laisse entrevoir l'économie circulaire dans le BTP? Alors moi, je n'ai pas mieux en termes de petites phrases. Je dirais qu'il y a une chose qui ressort, c'est donner du sens. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est donner du sens. La formation métier, c'est une chose. La formation métier au regard des nouveaux enjeux environnementaux, c'en est une autre. Donc, il faut accompagner ces jeunes générations. Il faut faire en sorte que la formation permet d'accélérer la transformation des entreprises. Donc, même si le train a commencé à démarrer, eh bien, il faut se dépêcher de monter dedans avant qu'il n'aille trop vite. Et donc, accélérer cette transformation, ça passe par une acculturation, par un essaimage et surtout par un ancrage territorial fort. Comme l'a expliqué Fabio, on ne peut pas continuer à avoir des grands principes sans passer à l'action sur le terrain.
Écoutez, merci messieurs d'avoir participé à ce WIL, ce deuxième WIL Lab Innovation Live. Merci d'avoir contribué à nous éclairer. C'était passionnant. J'imagine que vous aussi, devant vos écrans, vous avez été inspiré par tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et si vous trouvez le sujet passionnant, vous l'avez vu, on a détaillé longuement, rendez-vous le 5 mai pour éclairer à nouveau ensemble les enjeux et les nouveaux usages de la construction. On parlera d'éco-conception et d'évolution des compétences, toujours avec Stéphane Le Guiriec, mais aussi de nouveaux invités. À bientôt. Merci.